Yo les amis, c'est Frit. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox Magnet Simulator. Vous avez bien apprécié le premier épisode et moi aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer, sachant que je suis loin d'avoir terminé la map pour l'instant. Vous m'avez également dit comment on devait faire pour pouvoir entrer dans des mondes. Donc on va pouvoir aller enfin visiter des mondes aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents et j'espère que vous êtes prêts. Si oui, on peut y aller, c'est parti. Nous revoilà dans le monde de Magnet Simulator. Souvenez-vous qu'un mec ultra généreux m'avait donné des super familiers et grâce à ça j'ai pu gagner vraiment un max d'argent, faire un poulailler de l'espace, faire plein de choses. Déjà ce que je vais faire c'est que je vais récupérer tout l'argent de mes petits poulets ici, voilà. Et je vais voir si on peut pas déjà en upgrader quelques-uns. Regarde, hop, celui-là on va l'upgrader par exemple, celui-là on va l'upgrader aussi, celui-là pareil, j'upgrade aussi. Je pense que pour l'instant c'est bon, on va pas racheter d'autres poulets. Donc hop, on va se barrer de là. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer tous ensemble les amis de rentrer dans les mondes. Apparemment pour entrer dans les mondes il fallait tout simplement que j'enlève mon aimant, mais ça à aucun moment je pouvais le savoir, mais heureusement grâce à vous je le sais. Je vais juste en attendant peut-être récupérer quand même un petit peu de pièces vu que je suis quand même à 75 000. Par contre pourquoi est-ce que je n'ai pas mes familiers avec moi? Il y a un petit souci là, je sais pas pourquoi ils ont été déséquipés, mais on va les remettre parce que je gagne vachement moins de pièces et surtout ils me permettaient d'aller vachement plus vite. Voilà, comme ça là c'est mieux, tu vois. On va commencer par le monde le moins cher, celui-là. Je pense pas que ce soit le moins cher, c'est peut-être celui-là le moins cher, celui à 5 000, mais je vérifie au cas où. Non, 50 000, ici beaucoup trop cher. Ok, maintenant les amis, je dois aller tout simplement au monde qui coûte 5 000, mais je vais quand même vendre vite fait mes pièces, voilà, parce que je vais certainement récupérer beaucoup. Allez hop, on va tester ensemble. J'enlève l'aimant et on fait bruit ici. Ah oui, voilà, on a enfin débloqué le premier monde et on rentre enfin dans le tout premier monde de Magnet Simulator. On sort l'aimant, oh là 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 là, toutes les pièces que je vais gagner ici. Il y a plein de pièces vertes, plein de pièces violettes aussi. Les pièces violettes, j'imagine qu'elles donnent vraiment mal. Je suis déjà à 15 000 pièces, c'est incroyable. Par contre dans les mondes il n'y a que ça, il n'y a que des pièces. C'est certainement que là que tu peux récupérer des pièces violettes, je pense. Il y a même des gens qui essayent de venir gratter ici mes pièces. Elles sont à moi, pas à vous, personne ne touchera à mes pièces. Bon, le monde est pour tout le monde, c'est vrai. Mais j'aime pas partager moi, tu sais. Allez, on va se mettre à 75 000 pour venir vendre tout ça. Et normalement je pense qu'on pourra acheter encore des trucs pour level up dans notre équipement, pour récupérer encore plus de pièces et devenir encore plus riche. Mon sac est plein, je pense même qu'on pourra découvrir d'autres mondes. Allez, on va vendre tout ça. Peut-être des familiers aussi, serait cool d'en acheter pour voir. Ok, j'ai 2 millions de dollars actuellement. Je pense que là on est prêt à level up, mais genre puissance 1000. Alors lequel je peux acheter? Je sais même plus lequel j'ai actuellement, tu vois. Celui qu'on va pouvoir acheter, oula, 2 millions, le majestueux. Pouah, et c'est quoi? Vas-y, direct j'achète le majestueux. Et le prochain il coûte quand même 2,7 millions. On va le sortir. Oh là là là, l'aimant majestueux, il va faire du sale hein, je vous le dis. Je vais retourner dans le premier monde parce qu'il y a des pièces vachement intéressantes. C'est que ça va super vite pour pouvoir être au max. Prochain objectif c'est d'acheter un nouveau sac à dos. Un sac à dos encore meilleur, parce que comme on vient de level up, et au niveau de l'aimant, il faut quand même level up au niveau du sac aussi. Et peut-être aller jusqu'à au moins 100 000 d'espace. Allez, on y est presque. Oh, les pièces violettes ici, ça nous met bien. Ok, c'est bon, j'ai vendu tout ça. 1 million. Ouais, mais si un sac à 2 millions, clairement, on prendra un sac à 2 millions. On va voir, ok, on va voir. Écoutez, les sacs qui sont disponibles pour l'instant. Sac à dos avancé, sac à dos attirant. 200 000 dollars. 1 million, il est magnifique. Ici, on a un 7 millions. D'accord, je suis pas prêt d'avoir le sac à dos en émeraude. Donc, on va clairement acheter le sac à dos en diamant. Pour là, on passe de 75 000 à 350 000. Au niveau de la place de notre sac, c'est juste incroyable. Allez, on récupère plein de pièces. Maintenant c'est bon, on peut se faire plaisir. On a de quoi faire hein. Si je remplis ça à 350 000, j'imagine même pas tout l'argent que je vais me faire instantanément. Bah donc c'est parti, on va se faire plaisir ici. On ramasse un maximum de pièces et je vais essayer de pourquoi pas atteindre le maximum 350 000. Grâce à ça, on va pouvoir faire plein de choses, dont débloquer d'autres mondes, parce que peut-être que les autres mondes vont nous permettre de débloquer encore plus de pièces. Là c'est le premier monde et c'est déjà super intéressant. Alors j'imagine même pas quand tu débloques les autres mondes. D'ailleurs ce que je vais faire hein, avec vous, voilà, je vais aller jusqu'à 100 000 pièces et on va tout simplement aller vendre tout ça. Je pense que j'aurai assez clairement pour pouvoir acheter, enfin pas vraiment acheter mais plutôt débloquer un nouveau monde. Voilà, j'ai 1,6 million. Je peux clairement me permettre de débloquer ce monde là à 50 000. Le monde du désert. Oh là 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 là, incroyable. On ressent notre diamant et ici on va se mettre bien. Il y a plein de pièces violettes, c'est là qu'on voit la différence. Dans le premier monde il y avait des pièces violettes et d'autres pièces d'une autre couleur, mais des pièces moins rares. Mais ici il y a que des pièces violettes et je me demande s'il y a encore un truc au dessus des pièces violettes. À mon avis oui, mais pour l'instant on va se contenter de toutes les petites pièces violettes dans le désert ici. On va se mettre bien là, on va remplir au max notre sac pour avoir un maximum d'argent. J'ai farmé un petit peu de mon côté, mais je me dis que au final nous sommes des gens riches, alors pourquoi rester dans ce monde là? C'est bien cool, on gagne beaucoup de pièces, mais je pense qu'avec notre 1,5 million
on peut se permettre de débloquer. Ah là, il y a un monde à 1,5 million. Est-ce que je me débloque? Non, on va, vous savez quoi, on va d'abord les débloquer au fur et à mesure pour avoir le plaisir, la satisfaction de découvrir les nouveaux mondes. Que de directement débloquer le monde le plus cher. Je crois que celui-là, il coûte 500 000. Ouais, c'est ça, 500 000. Donc, on va enlever ça. On va l'acheter et voilà, on débloque un nouveau monde. Et effectivement, il y a des pièces encore plus rares, des pièces roses. Combien ça rapporte une pièce rose? Ah ouais, 370, c'est pas dégueulasse du tout ça, clairement. L'environnement est plutôt sympa, hein, un environnement boisé. C'est plutôt chill comme endroit, mais c'est pas le côté chill qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la thune. On peut voir que grâce à mes 350 000 d'espace dans mon sac, bah ça prend du temps quand même, hein, de remplir tout ça. Donc, ce que je vous propose... c'est que je prends encore un petit peu de pièces ici, on fait le tour, ensuite je vais vendre tout ça. Et grâce à l'argent qu'on aura débloqué, on va continuer de débloquer d'autres mondes. Je pensais pas que ça irait super vite, le mec il m'a donné les familiers, mais laisse tomber gros, il m'a régalé instant. Oh là là, j'ai 3,8 millions, vous imaginez tout l'argent que ça fait, 3,8 millions, c'est juste énorme. Hein. Du coup, il nous reste ce monde là, 1,5 million à débloquer. Et l'autre monde, le monde le plus cher, je pense qu'il coûte quand même 40 millions de dollars, c'est celui-là. Ou alors c'est moi qui me trompe, mais normalement je crois que c'est 40 millions de dollars. Oui, c'est 40 millions de dollars. Et c'est quand même cool de dire qu'au final on peut déjà débloquer le monde, l'avant-dernier monde, à 1,5 million. Attends, merde. Hop. À 1,5 million. Voilà. Oh là 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 là, les pièces. Elles doivent valoir 460, mec. 420 et 460 pour les autres. Oh là 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 là. Mais avec ça, mais je vais tellement amasser des pièces ultra rapidement. Après, l'endroit est plus petit. Il y a moins de pièces parce qu'elles rapportent plus. Mais bon, ça serait gêne easy. T'as tout le temps en permanence l'occasion de ramasser un maximum de pièces. Je pense que pour cet épisode-là, on n'arrivera jamais à débloquer le monde. 40 millions. Ça, c'est un petit peu l'objectif ultime, je pense, de tout joueur jouant cette map-là, dont le mien, ça devient maintenant mon objectif vu que c'est une nouvelle série sur la chaîne. Je vais plutôt me contenter de peut-être acheter des familiers, upgrader mes poulets, acheter peut-être du meilleur équipement encore. Donc c'est pour ça que ce que je vous propose, c'est que de mon côté, j'essaye ici de remplir mon sac à 300, oui mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, à 350 000 de pièces pour avoir un maximum d'argent. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. C'est bon les amis, j'ai rempli à 350 000, attention, j'ai 7 millions de... Vous vous rendez compte de ce que ça représente, 7 millions d'euros? C'est énorme en fait, c'est juste énorme. Je suis tellement riche gros, je suis clairement millionnaire. Mais un bon millionnaire tu vois. Et vous savez quoi, je serais peut-être bien tenté de commencer à acheter des familiers ici. Alors attends, le plus cher c'est 50 millions. Ah ouais, d'accord, on est loin de pouvoir s'acheter celui-là. Mais, on peut quand même se faire une petite folie en achetant un œuf épique qui coûte 1 million de dollars. C'est juste énorme, 1 million de dollars. Les œufs d'à côté, c'est... ils sont sympas, hein. Mais trop bas pour nous, tu vois. C'est pas assez cher pour nous. Du coup, c'est parti. On va s'acheter des œufs épiques. Allez, let's go. Allez, premier œuf. Attention, qu'est-ce qu'on a? Oh, Diamond Beer. Mais je crois que j'en ai déjà un. Donc vous imaginez que... Oui, j'ai un Diamond Beer sur moi. Vous imaginez que le mec m'a quand même offert un familier d'une valeur de 1 million de dollars. Le mec, je crois qu'il s'appelle clairement Jean-Marc. Jean-Marc généreux. Parce que là, la générosité, laisse tomber, gros. Alors, on a quoi maintenant? Golden Beer. Mais je crois que j'en ai un aussi. Mais oui, j'ai déjà un Golden Beer. C'est n'importe quoi. En fait, on m'a donné que des familiers épiques. Alors, dans celui-là, on a quoi? Un Golden Beer, encore une fois. Est-ce que c'est les seuls familiers qu'on peut avoir dans ces œufs-là? Est-ce qu'il n'y a que les Golden Beer et les autres? Parce que là, je suis en train de dépenser des millions. Golden Beer, ok. Bah, vous savez quoi? Je suis un bon joueur. Je vais tout flamber. Et on va voir si on peut avoir une autre espèce. Diamond Beer. Mais le truc, c'est que c'est pas comme les zones map. Ils affichent pas les familiers, en fait, au-dessus. Et ça, c'est stupide, tu vois. Parce qu'on sait même pas, en fait, si on a d'autres ou pas à débloquer. Et ça, c'est vraiment pas malin, ça. C'est pas cool de faire ça. Mais bon, on va tout dépenser. Et au final, j'ai que des Golden Beer et des Diamond Beer. Et bah, écoutez, c'est pas trop grave. Allez, c'est reparti. On en rachète un. Dans le pire des cas, il y aura peut-être un qui sera meilleur. Mais je pense pas, il y a que les shiny qui peuvent être meilleurs. Et je sais même pas s'il y a des shiny d'ailleurs dans cette map. Golden Beer, ok. Très bien. Ah non, je peux encore équiper deux, en fait. Il doit forcément être rangé quelque part. Je vois pas où est-ce qu'ils peuvent être. Ouais, tu vois, j'en ai 4 sur 5. Mais Adurit, lui, je l'avais déjà, non? C'est lui le meilleur en plus, c'est Adurit. Ah, mais Adurit, j'ai pas de double. C'est pour ça, regardez que ça se rajoute pas en fait. Mais du coup, entre le Golden Beer et le Diamond Beer, le meilleur, c'est clairement le Diamond Beer. Donc je vais faire ça. Je vais voir si je peux déséquiper un Golden et rajouter encore un diamant. Ah non, je peux pas. Et bah, je crois, les amis, que j'ai équipe complète. Ah, je crois que je vois ici. Regardez, Adurit, j'en ai un. Golden Beer, je pense que j'en ai 6. Et Diamond Beer, j'en ai 3. Regardez vite fait le prochain aimant. Combien il coûte? Parce que j'aimerais bien level up au niveau des équipements. Donc, moi, j'avais acheté l'aimant majestueux.
et l'autre il coûte 2,7 millions. Ici 5,5 millions. 2,7 millions, ça devrait pas être trop compliqué à atteindre. Et je sais que le sac à dos il coûte 7 millions. Donc voilà, notre objectif je pense pour terminer cet épisode, ça va être tout simplement d'avoir le nouvel aimant. Quand même pas tout faire d'un coup parce que en soi on a presque déjà fini la map. Je sais que la map est mise à jour régulièrement, hein. Il y a même eu une nouvelle mise à jour où il y avait de nouveaux familiers, etc. Je suis pas encore à jour sur la map, mais le but c'est pas de faire un épisode incroyablement long, déjà avoir tout fini en 2 épisodes. Je fixe des objectifs, on arrivera à la fin très rapidement. Je pense quand même avancer plus vite que les mises à jour, sinon c'est que le mec est vraiment taquet pour les mages. Donc voilà, ce que je vais faire c'est simplement récupérer des petites pièces. Je pense que je suis même pas obligé d'aller jusqu'à 350 000 pour pouvoir acheter le nouvel aimant. Je pense que ça c'est suffisant, tu vois, pour avoir 2,7 millions. On va vérifier ensemble, on va directement aller au shop. C'est vraiment pratique, hein, de courir super vite. C'est parti, on revend. Ouais voilà, tu vois, j'ai 4,7 millions. Donc je pense que je peux clairement, ouf, ou alors tu sais quoi, on peut carrément se fixer des objectifs bien plus haut les amis. Plutôt que de dépenser 2,7 millions, autant directement se choper celui à 5 millions. Ça va aller très très vite, hein, vous en faites pas. Si je me mets à 100 000 de pièces normalement, ça devrait le faire, j'aurai déjà assez. Et on verra si c'est vraiment vachement mieux ou pas. On va dans différents mondes, tac 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 tac. Allez, je suis pas à 100 000, mais ça devrait être bon. Oh c'est pas grave, je suis déjà à 100 000 en allant là-bas. Alors hop, on revend ça, c'est bon, 7,2 millions. Vas-y, à boule ton aimant mon pote, j'ai bien envie de voir ce que ça vaut. 2,7 millions, 5,5 millions. Oh, 7 millions. Et l'autre, 12 millions. Bon, bah allez, à 7 millions. On achète le aimant en magnétite. Let's go. Oh là 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 là, avec ça mon ami. Ça, les pièces auront beau être à l'autre bout du monde, je pourrais les choper. Alors, est-ce que c'est mieux? Oh putain, regardez ça les pièces que je récupère. Waouh, wow, je récupère 800 pièces à chaque fois. Oh là là là, ce level up de gros porc. Oui, oui, je pense qu'on a fait assez pour cet épisode. Hop, on revend tout ça, je vais juste en profiter pour upgrader un maximum mes poulets. Merde, attends, je voulais pas aller là moi, je voulais pas aller là. What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? On va récupérer notre argent. Voilà, 10 000 pièces à chaque fois, c'est pas négligeable, très clairement. On va upgrader les petits poulets. Paf. Puis là aussi on l'upgrade. Je grade un petit peu tout comme ça. On va d'ailleurs user notre argent pour ça. Merde, attends, je suis en train de récupérer de l'argent. Ok, c'est bon, je vais upgrader tous mes poulets. Et bah franchement, là, beau gosse, on est super bien. Pas encore terminé la map, mais ça ne saurait tarder vu à la vitesse à laquelle on va. En tout cas, j'espère que ça vous a plu comme épisode, les amis. Moi, je kiffe vraiment cette map. C'est tellement satisfaisant d'avoir autant d'argent et de pouvoir s'offrir tout ce qu'on veut dans le jeu, bien entendu. Donc, si vous continuez de kiffer, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé. Abonnez-vous ici si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, vous savez, vous pouvez checker 2 de mes autres vidéos ici. C'est votre FreeTaz, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.